revient à ce que je disais, elle est de 94. Alors comment t'as fait pour la vieillir comme ça? T'as pris des pièces à droite à gauche, notamment les pneus, c'est des pneus anciens ça? Ils sont pas anciens, c'est un modèle à l'ancienne, mais qui est pas ancien. Donc une réplique d'ancienne, mais que tu as pas acheté comme ça, si. Il les vend comme ça, il va être les motos. Non, je ne l'ai pas acheté comme ça, je l'ai acheté tout fait moi-même en fait. C'est plein de pièces commandées à droite à gauche et beaucoup de boulot dans la déco après. Alors ça reste des pièces Harley quand même, ou ça peut être aussi des pièces rapportées japonaises? Oui, il y a beaucoup de pièces japonaises. Waouh. Bon, ça, on ne dira rien. Ça revient à moins cher et le résultat est le même au final. Alors ça t'a pris combien de temps pour modifier cet arrêt? Excusez-moi pour la voix, j'ai une soirée hier soir. J'ai du mal à parler. Ça va. Donc ça t'a pris combien de temps pour modifier cette moto? Ça fait 2 ans que je l'ai, ça fait 2 ans que je bosse dessus tout le temps. En fait elle est jamais finie. Non. Elle est en perpétuelle évolution. Oui. Alors raconte-nous. Alors viens, on va aller de plus près voir cette moto. Donc on a un compteur sur le réservoir, ça c'est relativement ancien non? Ou c'est récent? Non, c'est assez récent en fait, c'est un réservoir de sauvetage tout simplement. D'accord. Qui a été adapté. Le moteur lui donc est récent, comme la partie cadre également. T'as pas changé ça? Tout ça c'est d'origine? J'ai seulement rallongé le bras oscillant pour le cadre, après le reste du cadre et le moteur sont d'origine. Le bras oscillant a été rallongé de combien de centimètres? 8 cm. Donc t'as fait comment? T'as coupé, t'as soudé? Tiens, t'as coupé, t'as soudé à quel niveau? T'as soudé ici? Non, c'est la soudure d'origine. C'est au milieu, mais ça se voit pas. Ah oui, c'est au milieu, ça se voit pas, on voit pas la soudure. C'est vachement bien fait. Donc l'empattement a été modifié du coup, parce que t'as rallongé, pour une meilleure toute route ou pour le look tout simplement? Pour le look et pour la rabaisser. D'accord. T'es assis, dans son Harley on est assis très bas, mais il me semble que celle-ci est encore assis très très bas. Parce que là t'as même pas de... Il n'y a pas de suspension au niveau de la selle. Je crois qu'il y avait une suspension, non, je me trompe. Les amortisseurs, je vois bien. Ouais. Des amortisseurs, il y avait des ressorts au niveau de la selle normalement. Et le Sportster c'est un modèle d'origine qui est assez haut quand même pour une Harley. C'est vrai. Et je l'ai rabaissé justement exprès parce que je voulais D'accord. De combien tu l'as rabaissé? Je sais même pas exactement. Elle est très basse. Hein. Allez, tu peux monter dessus? Oui. Ah oui, elle est très basse. Wow. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, là, Mimimati, elle pourrait conduire ça. Il n'y a pas de problème. Conduire, piloter ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as modifié sur cette moto? Raconte-moi. Alors je vois que le réservoir, tu as 2 entrées. C'est marrant ça, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des motos qui avaient 2 entrées de réservoir. Il est en deux parties, mais les deux se rejoignent avec une durite en fait. D'accord. Donc le réservoir est en deux parties et ça se rejoint avec des durites. Donc tu peux remplir un côté et... L'autre c'est pareil. D'accord. Un côté comme l'autre, ça revient au même. D'accord. On connaissait ça sur les Jaguars, hein, les Jaguars qui avaient 2 réservoirs, à droite à... et à gauche bien sûr, et sur certaines Lotus également. Alors c'est une moto avec des pneus, tu me dis, au profil ancien, donc c'est ça, j'adore le look, et des roues à rayons, donc tout ça c'est Harley quand même. Oui. Les jantes sont Harley, les pneus sont pas Harley. Ouais. Comment on fait pour vieillir une moto comme ça, pour cet aspect rouillé? Tu fais comment? C'est quoi la technique? J'ai tout poncé. Ouais. Ensuite, j'ai arrosé pour que ça rouille. J'arrosais régulièrement, oui. Plusieurs fois par jour. Chaque fois, je passais à côté. T'as arrosé avec un. Ouais. T'as pas pissé dessus? Non. Et vu que ça rouillait pas assez pour moi, j'ai mis des patines après que j'ai trouvé à Leroy Merlin, des patines V33. Ouais. C'est plusieurs pots de teint différents qu'on tamponne, avec des éponges ou des bouts de pinceau, des chiffons. Et après, tu fais comment pour fixer tout ça pour pas que ça bouge après? Tu mets un vernis, quelque chose, non? J'ai rien fixé, le but justement c'est que ça bouge et que ça évolue. Et que ça évolue. Oui. Donc elle va rouiller encore un peu plus. D'accord. Aujourd'hui c'est une mode, autant pour les motos que pour les voitures. Ça vient d'où? Ça vient des États-Unis bien sûr. Ça s'est développé il y a quelques années maintenant. Oui, il y a déjà eu une mode dans les années 70 du RATS. Ah je savais pas, ça remonte aux années 70. Et bah après ça s'est un peu perdu. En Europe on n'a jamais vraiment eu cette mode, ouais. À part un peu en Allemagne. Ouais. Mais du coup là c'est vrai que ça revient un peu. Depuis quelques années ouais, ça se développe, notamment sur les coques pour les voitures. Hein. Mais pas que. On a présenté une américaine il y a quelques mois hein, qui était dans le même aspect. Après ben faut aimer. Vous aimez vous le public? Ouais. Ah oui, c'est bien. Original. Ça s'est présenté. Hein. C'est génial. Je pense que le travail que tu as fait c'est assez remarquable. D'ailleurs, bah, tu vois, les gens ils sont très attirés par ce genre de moto. Et donc, il n'y a pas de limite dans la modification. Après, et c'est vrai qu'elle a un look, mais franchement, tu ne l'as pas passé inaperçu. Non,
La marée chaussée, il n'y a pas de problème? Jamais, je me suis fait arrêter. Donc je crois que c'est ça va pas tarder. Non, quand même pas. J'ai ton numéro. Non, je rigole. T'as pas de garde-boue à l'avant, par contre. C'est pas gênant, ça? C'est volontaire, en fait. C'est le look bobber. Les choppers, bobber. Par exemple, les choppers ont des grandes fourches et des grandes roues avant fines. Oui. Et les bobbers, c'est ça, c'est des grosses roues, aussi grosses à l'avant qu'à l'arrière, et le plus bas possible avec une fourche plus courte que possible. D'accord, ok. C'est un bobber, je l'ai fait un peu façon japonaise avec un arrière qui remonte un peu. Oui, c'est le morceau de garde-boue à l'arrière qui relève en canard, un peu en queue de canard. Et un guidon très bas. Ouais. Le guidon est très très bas aussi. La fourche était inclinée, non? C'est son aspect normal? Elle est inclinée, c'est pas la fourche d'origine, non, elle est inclinée en plus, et après je l'ai encore modifiée pour pouvoir la rabaisser plus. D'accord. Là tu peux pas faire plus niveau hauteur, je crois que ça sera difficile. À part dégonfler les pneus, je vois pas comment tu pourras faire. En tout cas, ta machine elle est fantastique, le bruit est fantastique aussi. Hein, et je suis bien content d'avoir présenté. C'est vrai que le mois dernier je voulais le faire et puis je pense que tu n'étais pas disponible. Et je pense que ça plaît au public, hein, ce genre de moto. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Bravo, on va laisser repartir. Merci à toi. Et on va faire une pause. On va faire une pause parce qu'on va remettre un prix, un lot. Ah, il est où? Elle est où? Allez, c'est parti. Elle est où ma secrétaire?